Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo tuto des boss de Dark Souls 3 fait avec un personnage à distance. Aujourd'hui, Gundyr le champion. Boss faisable à distance, hein, largement faisable. Très difficile en phase 2. Vous allez voir, il ressemble un peu à Seros au niveau de ses phases. Sauf que c'est. Ses attaques sont beaucoup plus variées, je trouve. Celle d'Oceros. Voilà, là il passe en phase 2 et c'est là où on va commencer à rigoler. C'est coucou, je t'enchaîne. Et inutile d'aller à distance, je te rattraperai. Voilà, le boss c'est vraiment très très compliqué. Donc n'hésitez pas à y aller à la masse d'âmes chercheuses pour que vous puissiez au moins attaquer un petit peu pendant les esquives. Voilà, allez, on continue. Le boss est très sensible à la magie, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez voir les dégâts que je lui mets, c'est quand même assez colossal. Et contrairement à ce qu'on peut penser, rester au cac n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est un endroit assez safe, voilà, parce qu'il peut faire ce petit coup de main qui est facilement esquivable et qui met un petit peu de temps à le faire. Cependant, voilà, faites très attention à ces autres attaques qui sont... très difficile à esquiver ou à encaisser. Allez, il devrait bientôt mourir. Voilà, on fait attention, voilà, pas comme là. Là, il fait son petit coup de stun, c'est ce classique. Voilà, et là, on peut le finir normalement. C'est bon, ça passe. Donc, vous voyez, P1, vraiment facile. Il va taper dans le vide. P2, tourner lui autour en faisant des esquives. Voilà, boss pas très compliqué une fois qu'on a appris les patterns d'esquive. Voilà, je vous fais tous, à toutes et à tous, un très gros bisou. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.